qui a été établi, je vais appeler au pupitre le professeur, monsieur le professeur Daniel Benchimol, qui est, comme vous le savez, qui a beaucoup de fonctions, qui nous aide beaucoup. Il est vice-président du Conseil général, il est maire adjoint pour la communauté chargée des affaires sociales, bien sûr, et santé, et puis il est doyen de la faculté de l'université, pardon, de médecine. Eh bien écoutez, bienvenue à tous, bienvenue dans cette matinée ensoleillée, cette belle matinée niçoise. Alors vous l'avez dit, je représente deux personnalités aujourd'hui, que sont le président du Conseil général, M. Éric Ciotti, qui vient d'être nouvellement réélu à la présidence du Conseil général, et bien sûr notre maire, notre député maire, Christian Estrosi, qui, par l'intermédiaire des services de la ville, a mis à disposition cet espace pour que cette réunion puisse se tenir. Alors, le doyen de la faculté de médecine est particulièrement fier et heureux, très honoré, de représenter ces deux personnalités pour apporter la voix académique, la voix de l'utilisateur médecin, la voix du professionnel de santé, au sein de ces hautes instances. Et pour des raisons qui sont claires, c'est parce que ces deux personnes ont souhaité faire de la santé un axe majeur de leur engagement politique. On a une chance tout à fait extraordinaire, c'est une cohérence, une synergie, une même vision. Et pourquoi il y a une grande cohésion? Eh bien c'est l'histoire qui nous le dit. 2003, élection de Christian Estrosi, président du Conseil général, directeur de cabinet du président, M. Éric Ciotti. L'histoire, vous la connaissez. Le président du Conseil général, Christian Estrosi, préside cette collectivité pendant 5 ans et devient ministre, puis maire de la ville. Et donc, nous avons deux personnes qui ont travaillé ensemble, qui travaillent ensemble, qui s'entendent très bien et qui ont la même vision. L'un faisait la politique que l'autre était chargé de mettre en œuvre. Et ensuite, eh bien, l'autre a poursuivi la politique au Conseil général. Personne n'obligeait le département à s'équiper. La loi n'imposait rien et pourtant, le département des Alpes-Maritimes est aujourd'hui doté du plus grand nombre de défibrillateurs sur la voie publique pour essayer de venir en aide aux morts subites. Et ce plan départemental de lutte contre le cancer se décline à tous les niveaux, de la prise en charge des patients, que ce soit très en amont pour la recherche, en dotant des équipes de recherche d'appareils extrêmement performants pour leur permettre d'améliorer la recherche, que ce soit le diagnostic. On avait des appareils de radiothérapie qui étaient très bien, mais j'ai pu expliquer à Christian Estrosi et à Éric Ciotti que pour améliorer encore la performance des traitements par irradiation, il fallait des accélérateurs linéaires de très haute énergie. Pour traiter certains cancers, je pense en particulier au cancer de la prostate, pour éviter les séquelles sexuelles et urinaires, pour le cancer du sein. On a un exemple, c'est extraordinaire, que 28% seulement des femmes âgées de 50 à 74 ans étaient soumises au dépistage organisé du cancer du sein. C'est-à-dire qu'elles faisaient des mammographies sans aucun symptôme et sans qu'il y ait de nodules palpables dans le sein. On ne soutient pas tout et n'importe quoi. On soutient ce qui est bien pour les patients, avant tout, ce qui est bien pour nos concitoyens, et on soutient les actions des associations que l'on connaît. C'est-à-dire que lorsque nous ne connaissons pas les associations, nous avons la volonté de travailler avec elles. De la même façon, le contenu délivré fait l'objet également d'un contrôle. Et vous savez que lorsque vous êtes venu me voir, nous avons étudié ensemble le programme. Et c'est la qualité des intervenants qui a fait en sorte que tout de suite, je vous ai dit, oui, bien sûr, compte tenu des intervenants qui vont délivrer un certain nombre de messages, eh bien parce qu'on les connaissait, parce que je les connaissais, eh bien je savais que le message qui allait être délivré à l'ensemble des participants de cette journée allait être de qualité et que, effectivement, les débats seraient intéressants. Donc, bien sûr, chaque fois qu'un projet est porté par des associations
avec qui l'on travaille régulièrement, qui portent des projets importants. Chaque fois que des manifestations bien, sont en tout cas sous-tendues par des conférences, des échanges avec des personnalités que nous connaissons, évidemment, nous les soutiendrons. La compétence du radiologue, et celle-ci n'est absolument pas mise en cause, eh bien, il passe, s'il n'y a qu'une seule lecture, on méconnaît 10% de lésions qu'on appelle infracliniques, c'est-à-dire avant qu'elles ne fassent un nodule dans le sein. Donc, ça veut dire qu'on ratait 10% de femmes qu'on pouvait guérir complètement à un stade que l'on qualifie d'utile. Nous avons réalisé un certain nombre d'actions de communication vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des médecins. Nous avons réuni en mairie des groupes de médecins, de généralistes, de gynécologues, de radiologues, d'anatomopathologistes, sous l'égide bien sûr de la PREMAS qui est l'organisme qui fait le dépistage. En 4 mois, nous avons réussi à monter de 16% le taux de dépistage organisé, avec finalement des moyens peu importants. Ce qui montre que lorsque l'information, la complémentarité entre les uns et les autres joue, eh bien, on améliore les résultats. C'est avec une petite action qu'on obtient des très grands résultats. Et en matière de cancérologie, comme d'ailleurs en matière de maladie d'Alzheimer, parce que c'est la même chose et je tiens le même discours lorsque je viens dans une enceinte où l'on parle d'autres plans départementaux, d'autres plans municipaux, et il nous manque un relais toujours. Et ce relais, c'est quoi? Ce sont les associations. Ce sont les associations de bénévoles qui viennent nous solliciter, qui viennent nous interpeller, qui viennent nous alerter et qui ensuite répercutent vers les patients les informations les plus importantes. Et lorsque on informe mieux par le biais des associations les patients et leurs familles, eh bien les traitements sont plus performants, ils sont mieux acceptés. Et là, c'est le médecin hospitalier qui vous parle. Je vois dans mon domaine qui est la chirurgie digestive, eh bien, ce que font les associations, en particulier les associations de stomisés, les associations d'aide aux malades cancéreux, les associations d'aide aux maladies inflammatoires, que sont la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, eh bien, sans ce travail considérable, nous n'aurions pas des patients qui adhèrent aussi bien à nos traitements, qui se sont entourés et qui savent qu'il y a une vie avant la maladie, qu'il y a une façon optimale de prendre en charge sa vie pendant la maladie, et surtout qu'il y ait une vie après la maladie. Vous savez que vous trouverez les collectivités à vos côtés pour vous aider lorsque vous nous proposez des projets qui viennent en aide aux Niçois et aux Azuréens. Eh bien, on vous aidera par les moyens que l'on peut développer, comme la mise à disposition d'endroits, de salles. Alors, merci infiniment. J'en profite aussi pour remercier l'ensemble des orateurs qui vont se succéder. Je suis très heureux que des professeurs de la faculté de médecine participent à votre réunion aujourd'hui. Je salue Patrick Michel qui est là et qui va faire une des premières conférences de la journée. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, beaucoup d'échanges, très fructueux, et que vous soyez encore plus savants, mais pas savants dans le sens scientifique, savants pour mieux prendre en charge nos patients, mieux faire comprendre aux uns et aux autres l'enjeu qu'il y a de tous s'unir face à la maladie. À Nice, les organismes publics sont constitués de deux entités, qui est le Centre Hospitalier Universitaire et le Centre de lutte contre le cancer, qui est le Centre Antoine Lacassagne. Ils ont un projet médical commun. Il y a des clés de répartition. Tel type de cancer se traite là, tel type de cancer se traite là. Je vais aller même plus loin. Tel type de cancer s'opère là, et la chimiothérapie se fait là, tel autre type de cancer s'opère là et la chimiothérapie se fait là, en sachant que la radiothérapie publique